Yo, je suis en train de me faire une petite partie de 3D Fight. Et c'est un peu... Ah, putain! Il est trop dur ce jeu. Je voulais vérifier qu'il y avait une vie... Enfin, qu'il y avait une vie... Je suis en train de me spoiler. Je voulais vérifier qu'il y avait... s'il y avait une fin ou pas. Du coup, je lui ai foutu des vies infinies. Mais j'arrive pas, j'y arrive pas, j'y arrive pas. Tiens, il n'y a pas de son d'ailleurs, encore une fois de plus. Putain, quel abruti ce truc. Fluff, ouais, ça fait longtemps que j'y ai pas joué, je sais pas si j'arriverai encore à le finir. Mais je peux faire fluff, il me semble que je l'ai déjà fait d'ailleurs en stream, mais j'ai pas dû le finir. Fluff, faut le connaître par cœur. Bon, l'autre, il a pas l'air de bouger de là-bas. S'il pouvait rester là-bas, ça me permettrait de continuer. Et ben voilà, j'ai passé les comètes là, les astéroïdes, ou je sais pas trop quoi là. Oh putain. Oh merde, je me suis trompé. Le Didi en mode zéro, ouais. Crystal Kingdom. Ouais, on peut, ouais. Ouais. On va faire ça. Oh putain. Oh, Dendarak, j'aimerais beaucoup. Bon, je vais me faire un safe state là. 3D Fight. Comme ça, je reprendrai là. Tiens, on va remettre ma gueule le temps que je trouve le DSK. Trad World, je connais pas. Attends, je vais voir. Trad World. J'avais complètement zappé que j'avais dit que j'avais un stream. Parce qu'en fait, normalement, j'aurais pas dû avoir. Ah oui, merde, putain, vous entendez en double là. Hein. Ta gueule, toi. Faut me le dire quand c'est en double. Hein. Trad World. Oh, ça a l'air d'être un jeu miteux, ça. Ah non, j'ai pas envie. Profanation 2. Oh, remarque, ça pourrait être rigolo. Allez, pour le fun, on se fait un petit profanation 2 pour commencer. Ce jeu de merde. C'est une horreur, ce truc. Tiens, on va aller chercher profanation 2. Hop. Ah mais j'ai même pas téléchargé cette dôme. Ah, ça m'étonne pas. Ah oui, Tradward, c'est un truc du CPC RetroDev, d'accord. D'ailleurs, on pourrait peut-être essayer Profanation d'abord. Un Blue Symbol Profanation, c'est le premier ça. On va l'essayer d'abord, je connais pas. Voilà, je vais prendre une version crack du coup, puisque sinon il n'y a pas de version disque. Version CNG Soft, ce sera très bien. J'ai fini tout à l'heure International Ninja Rabbit parce qu'en fait je suis en train de réparer mes disquettes 3 pouces. Et là j'ai remis une courroie dans le lecteur 3 pouces de mon CPC, donc je ressors mes vieilles disquettes. Il y en a beaucoup qui fonctionnent plus, mais du coup je les nettoie là. Denis m'a expliqué comment. Comment nettoyer ça. Et du coup j'ai lancé un jeu que j'avais sur une compile qui s'appelle International Ninja Rabbit. Et putain, c'est long, c'est une horreur. C'est un spiciport. Je crois que j'ai jamais vu aussi long. Le chat, là, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ah bah, si Rabadol 2, alors si tu veux. Je crois que j'ai déjà joué, il me semble que c'est pas terrible. Ça me dit quelque chose, vaguement. Putain, je suis fatigué. Ça fait plusieurs jours là que je ne dors pas des masses. J'ai affiné, non. Je vais dire, non. Même si je pense que c'est une grosse daube.
Alors pour 3 défaites, si vous voulez mettre des vies infinies, vous faites un POC 0-0 en 13 FE. Je me suis embêté à trouver ça tout à l'heure. Parce qu'a priori, personne n'avait eu l'idée de mettre des vies infinies dans ce jeu. Et moi, j'aimerais bien savoir s'il y a une fin à 3 défaites. Rodland, ça me dit quelque chose aussi, ça. Rodland. Forcément, c'est pas si pouvoir, on va pas le trouver parce que je tape pas correctement. Si, ah, si. Ah ouais, non, pas Rodland, pitché, quoi. Il est d'une lenteur, ce jeu. Bon, il se lance, le jeu, là, ou quoi, là. Allez! Démo Ruger. Ruger, hein, j'ai pas envie de regarder une démo. Voilà, ok. Ok, donc là on peut pas passer déjà. Génial. Comment on fait là? Putain, qu'est-ce que c'est que ce jeu de merde encore? Je peux pas prendre d'objets, non. Donc à part sauter d'ici, mais. Ah si. Putain. Bon. Bon, ça je l'avais déjà du coup. Oh, je l'ai pas touché là, faut pas. Oh là là, le truc de merde quoi. Ta gueule toi. Allez. Ben non, mais il me touche à chaque coup, sans déconner. J'ai fait le con. Bon, bah, on aura 5 vies. Alors, en même temps, un jeu où tu vois que tu as 15 vies dès le début, ça pue un peu du slip, quoi. Je peux y arriver. Je pourrais y repasser le premier écran. Là, je fais mon oncle Ced. Hein. Bah, si, il y a du son. Pourquoi vous en avez pas? Bah, on dirait que vous en avez pas. Pourtant, l'audio du bureau est mis. Ah, il était mis trop bas. Voilà, normalement c'est bon. Non, c'est pas. Pas super quoi. Putain, mais je comprends pas comment tu fais là. Sans déconner, tu sautes à quel moment? Un peu sinon. Et mais merde hein. Qu'est-ce que c'est que cette double? C'est plus facile que dans le 2, mais alors par contre je reste bloqué sur un truc à la con quoi. Ça sent rage quitte ça. Ça sent le rage qui j'ai pas le droit de m'énerver vu que je viens de coucher la petite. Je suis mort. Sans déconner quoi. Le truc il est au pixel quoi. Merde. T'as 9 vies dès le début du jeu, comment que ça pue le jeu qui est trop dur quoi. Bon, jusque là ça va. C'est là que je suis dans la colle que j'y arrive pas. Oh non, 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 rajoute poste de merde. C'est nul à chier. Putain, mais c'est pas possible!
Non, ça passe pas comme ça non plus. Et il m'emmerde le truc là. Je peux pas le tuer, je peux rien faire. Ah, attends, en appuyant sur Fire, je saute moins haut. Voilà. En appuyant sur Fire, je saute moins haut. Ok. Je peux pas abandonner, sinon je recommence à zéro. Alors, qu'est-ce que c'est que le truc qui est à droite là? Ça me tue. Parce que je suppose qu'il faut pas passer par la gauche. À la gauche, effectivement, il fallait pas y passer. Putain, mais c'est quoi ce délire, hein? Je passe comment? Alors, on va essayer de sauter par-dessus le truc. Non. Ouais, mais c'est ça qu'il faut faire. Faut juste sauter au bon moment. Voilà. Yes. Oh putain, quel con. Pour l'instant, ça va. C'est jouable. C'est pas idiot comme dans Profanation 2, quoi. Ah, Profanation 2, Tessera, Thomas, tu vas voir. Je suppose que lui me touche. Il me touche pas. Ah non. Hop là. Ouais, attends, il y a déjà trois écrans là, c'est déjà bien. Alors maintenant, est-ce que je peux sauter direct? Je vais faire un petit saut. Il ouais, faut le savoir qu'il y a le petit saut en appuyant sur Fire. Hein, parce que sinon. Oh merde! Je suis mort. C'est pas grave, je vais recommencer du coup. Maintenant que je sais comment passer le premier écran. Ouais, faut que je prenne le truc là. Je sais pas quoi ça sert ça, mais je suppose que c'est le but du jeu, les ramasser. Voilà, ben, ça le fait tout seul. Voilà. Ah merde, merde, putain, je voulais pas sauter. Oh, ça c'est intelligent. Ça c'est vachement intelligent. Alors ça, si c'est pas un bug, je sais pas comment est-ce qu'on peut appeler ça. Ça c'est d'une débilité ce genre de truc. Oh merde. Putain, par contre, ça pardonne pas. Non, pour l'instant ça va, ça me déplaît pas. Et tu vas voir, Thomas, le Profanation 2, il est 10 fois plus punitif que ça. C'est de la merde. Honnêtement, c'est de la merde. Ah, trop tard. Trop tard. Je chope le bon moment. Voilà. Ok, c'est bon. On y va. L'avantage, c'est qu'une fois que tu as passé un écran, tu n'as pas à te le retaper, quoi. Alors, là, pareil. Hop. Alors, pourtant, là, alors, soit il est à ras au pixel, soit vraiment. Voilà. Ah non, c'est pas comme ça que j'étais passé l'autre coup et ça avait marché. J'étais passé comme ça. Là, je fais. Oh putain! Alors ça fait quelque chose, mais je sais pas ce que ça a fait. Alors, je sais pas si vous avez vu quelque chose changer à l'écran. Mais... Oh putain! Ah oui, d'accord, ça ouvre la porte qui est là-bas. Ok. Oh, bah, j'aurais pu y aller là. Merde. Oh putain, ce serait bien de voir ce qu'il y a de l'autre côté de la porte quand même. Ah, je vais trop vite, nom des dieux. Voilà.
Alors, qu'est-ce qu'il y a par là? Du coup, je suis pas allé en bas. Hein. Je sais pas s'il y a une map qui existe. Merde. Oh putain. Y a une map. Bon. Alors, on va essayer le 2. Bon, en tout cas, c'est jouable. Je pense qu'avec de l'entraînement, celui-là, c'est largement faisable. Ça me plaît bien au final. Ouais, t'as raison, tu peux l'ajouter à l'archive. Finalement, il me plaît pas mal celui-là. Il est plutôt pas mal. Contrairement aux deux. Qui risque de me faire péter un câble. Alors, attends. Il y est dans ton archive, le 2 ou pas? Je vais regarder de toute façon chez les. Alors, c'est PC Power Archive. Tu l'as mis dans quoi, plateforme, je suppose? Profanation 2, ouais. C'est bien, tu l'as mis au bon endroit. Alors, voyons voir. J'ai joué franchement. Une fois, j'ai cru que j'allais éclater le CPC tellement ça m'a énervé. L'écran d'intro est pas trop mal, il est pas trop moche. Et pourtant, j'estime que j'ai un skill qui est pas trop mauvais, quoi. Oh, le scroll text, mon Dieu, quelle horreur, quoi. Le truc qui est au caractère, quoi. La honte. Moche quoi comme scroll texte quoi. Tu fais mieux Thomas, tu vois? Tu sais faire mieux comme scroll texte que ce truc saccadé moche. Alors, je sais pas ce qui est marqué le premier mot, je sais pas ce que c'était, mais. C'est sympa d'avoir une petite intro par contre. Les graphes sont pas trop trop moches dans le jeu. Il y a quelques petits trucs qui sont un peu bizarres, qui font pas très travailler. Mais je sais pas si c'est un style qu'ils ont voulu donner au jeu. En Profanation 2, ça me tiendrait qu'il y ait une map. Hein. Tiens, je vais la regarder, mais. Profanation. Alors, tu l'as sans doute dans ton archive. Non, personne n'a fait la map. Alors, franchement, si t'as le courage de le faire, vas-y. Moi, je le fais pas. Oh, attends, là, c'est un scroll de 8 pixels de haut. Tu ne manges pas le balayage avec un scroll de 8 pixels de haut. Hein. Allez, on y va. Ouais, je suis mort. Ouais, je suis mort. Je suis mort. Je suis mort. Je suis mort. Allez, putain. Ah, je suis mort. J'attends que ce soit calé correctement en fait. Je sais pas si ça va l'être un jour. Non, trop de chest. Oh putain, espèce d'abruti. Faudrait que je le suive le truc là. Parce qu'on a juste le temps de se mettre derrière donc. Je suis mort. Oui, allez, c'est bon. Oh, ta gueule, on s'en branle. Putain, tu peux pas le passer leur scroll de texte de merde en plus là.
suis mort, c'est pas grave, j'ai eu le truc. Ah ouais, non, mais là... Là, c'est plus que super difficile, celui-là. Franchement, j'ai mis toute la bonne volonté du monde pour essayer d'y arriver. C'est punitif au possible. Je sais pas s'il y a un moment... Est-ce qu'il se décale, cette saloperie, ou est-ce que j'attends comme un gland pour rien? Ouais, ça se décale quand même. Vraiment, t'as intérêt de saisir le moment, parce que sinon tu la noies au sang. La goutte, elle arrive trop tard, hein. Faudrait qu'elle arrive plus tôt. Ah, presque. Putain, j'y étais quoi. Allez, tu casses pas la gueule, espèce d'abruti. Oh, putain, t'attends 3 ans quoi. Parce que l'éclaboussure de la goutte te tue quoi. Je vais trop vite. C'est dommage parce que graphiquement, il donne envie d'y jouer en plus ce jeu. C'est vraiment une erreur de conception des niveaux qui fait qu'il n'est pas agréable. Yes. Bon, là, par contre, faut que je tombe au moment. Yes. J'aurais passé le premier écran. Alors. Donc là, il faut que j'aille à gauche. Hein. De toute façon, je peux pas aller ailleurs. Comment est-ce que je peux faire? Il me reste 6 vies. Ou alors, je passe à droite sous le truc. Est-ce que j'ai le temps? Ça me paraît vachement chaud. Moi je tente très bien, mais là je pense que je me tape le mur au-dessus de moi quoi. Parce que sinon j'aurais bien tenté de sauter par-dessus celui d'en bas. Ah, je vais me prendre le mur. Je m'en doutais. Ou alors je le fais comme ça. Il faut que j'attende que le celui du bas revienne. Trop tôt, je chope le truc. Yes. Oh bah voilà, un truc débile, voilà, tu crèves, voilà, je suis mort. Ça c'est d'une débilité, comme dans le premier quoi. Putain, faut recommencer le premier écran quoi. Le premier écran il est super pénible quoi. Soit faut aller super vite pour essayer de passer ce truc là, soit faut passer par en haut, mais ça me paraît chaud. Non, c'est dommage parce que je le trouve trop dur. Vraiment, la difficulté dans le jeu elle est trop pénible. Et autant la difficulté en général, je m'y accommode. Voilà, on voit que j'y arrive déjà un peu mieux. Ah, trop tard, putain. En plus, tu le vois au moment où tu passes que t'es trop tard, quoi. Il n'y a rien de plus énervant. Oh là, ça m'énerve. Tiens, salut Fred. Ah, qu'est-ce qui m'arrive? C'est de la foutaise ce qui est. Tu dirais que moi, j'y aurais jamais rejoué de ma vie à ce truc. Oh,
Allez, oh là là. Ouais, bah je m'en fous, les Espagnols, je les emmerde en plus. Quand ils baisseront le prix de leur jeu. Je comprends pas que un jeu qui est vendu par des Espagnols, bah, il coûte 20-30 euros et le même jeu que tu achètes en Angleterre te coûte 3 livres. D'ailleurs, je me suis fait plaisir ces derniers jours. J'ai pas mal de jeux là que je vais recevoir. Je vais recevoir alors tous en boîte les boîtes que j'aime bien là. Boîte là. Je les reçois tous dans ce format-là, sauf Feud. Feud, je le reçois en format cassette normal, parce qu'après moi, il n'existe pas dans l'autre format. Mais sinon, je vais recevoir Smash TV. Alors, je sais plus si c'est en disquette ou cassette, hein, peu importe. Je prends les deux, hein, de toute façon. Donc, enfin, je prends les deux, je prends un des deux, quoi. Donc, Smash TV, Opération Thunderbolt, Gaza Super Soccer, qui est une merde, mais je m'en fous, c'est juste pour la collection. Mon petit Python Flying Circus, si le mec il se décide un jour à me l'envoyer, parce que il m'a renvoyé un mail aujourd'hui, parce que cet abruti sur sa vente avait oublié de mettre les frais de port. Enfin bref, cet abruti, non, c'est pas un abruti, c'est juste qu'il avait zappé, il a merdé quand il a enregistré son annonce, du coup il n'avait pas mis les frais de port. Et du coup, moi j'ai acheté l'objet sans payer de frais de port, et du coup, bah, maintenant il veut que je fasse le truc, enfin bref, c'est un peu compliqué. On va y arriver, mais bon, mon petit Python Flying Circus, j'étais bien content de le trouver. Space Crusade. Je crois que c'est en disquette, lui. HeroQuest Return, donc c'est le deuxième HeroQuest, vu que j'arrive pas à trouver le premier. Comment que ça s'appelle The Untouchables, mais en français, c'est comment? Je me rappelle pas comment ça s'appelle. Bon, bref, on s'en fout. Et Shadow of the Beast, que j'ai réussi à choper. En cassette, il y a deux cassettes, quatre faces quoi. Bon courage quoi. Mais bon, je suis content, j'ai acheté quelques petits jeux, je me fais mon petit cadeau de Noël avant l'heure, quand on va dire. Ouais, je sais pas si c'est qu'ils ont pas compris qu'ils sont passés à l'euro ou juste que c'est une bande de voleurs qui abusent franchement. Ou des gros radins au choix. Après leur jeu, il y a des petits jeux qui sont sympas, hein, pas tous. Hein. Hein, moi quand je vois tous ceux qui disent ah, les jeux espagnols, bah, franchement vous y avez pas joué, hein, faut pas s'arrêter à un screenshot. Hein. Je pense que l'an prochain je vais participer au merde putain, au CPC Retro Dev, moi je pense. Bon là il me reste qu'une vie, faut pas exagérer, je vais me tuer. Je pense que je vais participer au CPC Retro Dev. Bon, ce qui m'emmerde, c'est de faire un jeu 64K en cassette, quoi. Mais j'ai bien envie de faire un petit jeu puis de leur montrer bah, qu'on peut faire beaucoup mieux que ce qu'ils font, quoi. Hop, une vie en moins. Donc, je pense que mon petit moteur à la Rick Dangerous, je vais peut-être l'utiliser. Histoire de. Bon, il y a du fric à gagner, puis le fric, faut dire ce qu'il y a, j'en ai pas des masses. Je rachèterai des jeux avec. Pourquoi avoir fait un truc qui va aussi vite, quoi? Bon, j'ai pas réessayé 10 000 fois. Hein. Puis ah, faut attendre 3 ans que le truc il soit synchronisé correctement, quoi. Voilà, ça m'énerve. Putain. Ah ouais, non, mais c'est une horreur ce jeu. C'est vraiment une merde. Hein. Moi, je pense que je vais aller modifier les tableaux pour virer. Pour virer des ennemis, parce que là c'est juste pas possible quoi. C'est un truc de sadique ce machin. Le 1, j'y jouais là juste avant Fred, au premier profanation, à Boussimbel profanation. Et bah, c'est beaucoup plus jouable. Celui-là il est chiant quoi. Enfin je veux dire, il y a plein de petits trucs qui font que c'est chiant quoi, que c'est pénible, que t'as pas envie d'avancer, que t'as juste envie d'arrêter là, comme tout de suite là.
Non, le truc, faut attendre 3 ans qu'il se synchronise, quoi, sans déconner, quoi. Plutôt pour que ça arrangeait que si tu te manes dès le début, t'es nickel, tu vois. Bah non. Allez, et puis la goutte d'eau qui te... Allez, hop, on va changer de jeu. Ouais, bah, le premier, j'y avais jamais joué, tu vois. Donc j'ai joué tout à l'heure. Et honnêtement, c'est pas mal du tout, hein. C'est pas mal du tout. Bon, on va jouer à un autre jeu. Je sais pas quoi, mais à un autre jeu, parce que ça, c'est de la merde. C'est vraiment de la daube. Alors, qu'est-ce qu'on a comme jeu qui pourrait être bien? Oui, c'est une blague, ouais, comme tu dis, ouais. Comme tu dis, c'est injouable. C'est chiant, quoi, tu t'emmerdes, c'est de la merde. C'est de la merde. Non, comment qu'on dit? Pas it. Es una mierda. S'il y a un espagnol qui regarde, profanation dos es una mierda. Un mierda. Injouable. Je sais pas comment qu'on dit injouable, mais no es un buen juego. J'essaye avec mes restants d'espagnol qui datent d'il y a 25 ans. Aïe, aïe, aïe. Alors, qu'est-ce qu'il me dit, Thomas? Bobo. Alors, Bobo, c'est injouable, donc c'est hors de question que je le fasse. Pff, le truc, j'ai jamais réussi à bouger dans le jeu, donc... Pinpointer, tu l'as déjà fait, feu de... Il a déjà été fait l'autre jour. Thomas, oh, je sais pas ce que c'est. Short-circuit, ça me dit quelque chose, mais je m'en rappelle pas. Airwolf, c'est hors de question. Odren, mon dieu, non. Qu'est-ce qui donne? Ou alors c'est les jeux que t'as acheté ça, Thomas, ou c'est les jeux que tu veux que... Ah, c'est les jeux que t'attends de recevoir, d'accord. Donc je croyais que tu me proposais des jeux à jouer. Ouais, c'est injouable dès le premier écran encore, quand c'est au bout du 10e, 15e, ou que la difficulté augmente et que tu te retrouves bloqué un écran, je veux bien. Et encore, même si c'était le 15e écran, cet écran-là, il est juste insupportable. Voilà. Ouais, c'est du gâchis, ouais, parce que le jeu, au final, il réagit bien et tout, donc... Oui, il faut un patch, ouais, il faut un patch sur ce jeu, ouais. Parce que là, c'est injouable. Bon, bref, faut que je trouve un jeu à faire. Qu'est-ce qu'il y a comme jeu, là? Moi, je sais plus quoi jouer, j'avais pas prévu le stream, en fait, je l'avais zappé. Normalement, la petite, elle aurait dû être chez la nounou, et puis finalement, la nounou, elle apprend pas parce qu'elle est en vacances. Et du coup, j'avais complètement zappé que j'avais dit que je faisais un stream aujourd'hui. Alors du coup, je regarde dans le pack CPC Power de Thomas. Oui, c'est Crystal Kingdom Didi, ouais, on peut le faire, Crystal Kingdom Didi. Ouais. C'est vrai, tu l'as dit tout à l'heure. Hein. Je sais pas dans quoi t'as mis ça. Dans Aventure? Parce que Didi, c'est pas du plateforme, hein, Thomas. Je sais pas si tu y as déjà joué, mais je sais pas dans quoi tu l'as mis. Didi, c'est pour... Ouais, je mettrais ça dans le jeu d'aventure, moi, personnellement, parce que bon, c'est tu suis un scénario, tu dois trouver tel objet pour faire tel truc, un peu comme le Seymour. Alors, j'espère que tu as pris le Seymour, Seymour and the Movie et Wild West Seymour, parce que c'est. Est-ce que tu les as mis et où? Je laisse comme dans CPC Power, sauf que dans CPC Power, c'est de la merde la classification. Moi, je pense que je vais tout virer des dossiers, en fait. Je vais tout mettre au même endroit, parce que ça, à part les shoot'em up, les trucs clairs, quoi, shoot'em up et jeu de baston. D'ailleurs, t'as pas mis jeu de baston, toi. T'as mis beat'em up, mais... Alors, du coup, où est-ce que ça va être? Dans stratégie? Non. Est-ce que c'est dans plateforme? Ah, il y a des Didi dans plateforme. Ce qui est complètement idiot de mettre ça dans plateforme. Donc il s'appelle Crystal Kingdom Didi normalement.
et je le vois pas dans plateforme. Je le vois pas. T'as mis jeu de combat, mais j'ai pas fait gaffe. Putain. Là, faudrait le renommer, il faudrait tout ce qui s'appelle Didi. Et après, tu donnes le titre. C'est Didi Fantasy World, Didi Spellbound, Didi Crystal Kingdom. Et sauf que dans CPC Power, c'est pas le cas. Fais chier, je sais pas où il est. Bon, je vais chercher dans mon archive à moi, parce que moi, dans mon archive, dans mon truc, je mets pas de. Voilà, bah, je le trouve direct, Crystal Kingdom Didi. Je mets pas de dossier, je classe pas, en fait. La plupart du temps, sauf les shoots em up et ce genre de truc qui est clairement défini, quoi. Non mais les catégories sur CPC Power, elles ont été faites par Super Sylvestre, qui a une façon débile de voir les choses, qui a créé des catégories complètement idiotes, et surtout les jeux ont été mis de façon complètement idiote dedans. Moi personnellement, je fais pas un truc simulation où je mets le ski, les jeux de bagnole et machin. Non, moi je mets jeux de bagnole, hein. Simulation de course, tu vois. Là je mets les jeux de bagnole et de moto. Et par contre, une simulation de ski, bah, c'est dans, soit dans sport, soit simulation de ski. Le golf, pareil, quoi. Je suis une catégorie de golf, je mets tous les jeux de golf dedans et puis c'est tout. Hein. Ouais, mais non, la recherche, non, parce que je suis sous Winep, là, tu vois, j'ai cliqué sur la disquette et je cherche à partir de cet endroit-là, tu vois. Il n'y avait pas de musique, non. Putain, ça me paraît bizarre. Ah, si, pendant le jeu. Start game. Alors, on y va. Bon, ça, c'est un jeu que j'ai fini, hein, il y a pas mal de temps. C'est pas le meilleur des Didi. Oui, là, n'empêche pas l'autre. Mais ou alors faut les mettre dans plusieurs catégories. Je pense même que ce serait le meilleur truc à faire, c'est de mettre dans plusieurs catégories. Alors là, il y a quelqu'un, on va aller le causer. Ok. Donc lui, il veut des noisettes. J'en ai pas, donc il en aura pas. Voilà, moi je vais prendre ça, le poids. Hop, on va attraper une des cerises. Pour finir, Didi, il faut choper toutes les cerises. Ah, je peux pas rentrer dans le bâtiment. Il y a certains où on peut rentrer. Oui, non, mais il faut faire les deux, quoi. Mais de toute façon, les catégories, pour moi, je les trouve mauvaises. Donc, hop, on pose le poids là-dessus. Et l'ascenseur, il va fonctionner tout le temps. Voilà, alors la gonesse. Comment vas-tu? Ok, bah, on va te faire foutre un connasse. Alors là, on peut monter. Oh merde! Alors moi j'ai une grosse préférence pour les jeux Seymour, hein, par rapport aux jeux Didi. Donc là c'est pareil, il me faudra un autre poids. Ou sinon la technique c'est... Merde, la technique c'était ça, c'était de sauter sur le truc. Et de sauter... On peut pas sauter en même temps à droite? Bah si, alors. Voilà, on peut faire ça. Et puis du coup on peut aller... On peut aller là, mais on peut pas aller tout en haut, donc on peut pas aller dans la maison, hein. C'est chiant, il y a certaines maisons que tu peux aller dedans et d'autres pas. Tiens, je vais enlever les notifs du chat là que vous devez entendre, hein, ce qui est plutôt pénible. Par tag, et tu sors tous les jeux qui implémentent ce qui est décrit par le tag. Ouais, mais les tags sont non seulement mal faits, mais en plus sont incomplets. D'où le problème. Merde. Je me suis fait toucher. Oh, je me suis fait toucher deux fois. Bon, pour l'instant, je peux rien faire par là. Oh merde, j'ai loupé la cerise. Ah non, faut prendre Wild West Seymour aussi, qui est encore mieux. Oh,
Oh mais merde, putain, je fais de la merde là. Va passer par en haut du coup. L'avantage c'est que j'ai pas joué depuis très 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 longtemps à ce jeu et que je me rappelle plus. Donc ça va permettre de le faire à peu près correctement. Ah merde, putain, il y avait le poids. Oh, quel con. Merde, je l'ai repoussé. Il y a la planisse de double. Ah, puis l'autre, il me touche, quoi. C'est abusé. Putain, je fais vraiment de la double, là. Je sais pas si je vais aller loin. Hein. Y aurait moyen de faire beaucoup mieux, hein, comme Didi. Sur CPC Plus, il y aurait moyen de faire des super jeux Didi, comme sur Amiga. Ou même sur Master System, je crois qu'il y en a. Non, c'est sur Game Gear. Ouais, peut-être sur Master System, il doit être sorti aussi. De toute façon, c'est la même machine. Game Gear ou Master System, c'est la même chose. Ah ouais, non, le Roy Wave Seymour avec le faux Thomas, c'est mieux. Hein. D'ailleurs, Ghost to Hollywood, je crois que je l'ai pas fini. Après Catch Me Catcha, ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes que t'en aies marre. Captcha qui servent à rien. Mais comme Bruno est quelqu'un de particulièrement borné, bah, qui veut absolument pas écouter ce que lui disent les gens. Alors je comprends que c'est son site, mais bon, de là en faire qu'à sa tête tout le temps. Je trouve ça un petit peu dommage. Bon, voilà, on a bloqué l'ascenseur. Ah, mais merde, putain! Putain, j'ai déjà perdu plein de vie, quoi, c'est abusé, quoi. Voilà. C'est quoi, 5 heures? Ça, c'est pour une vie. Oh putain, quel con, j'aurais pas dû faire ça. Mais saute, putain, mais. Et sans déconner, quoi. Je lui ai dit de sauter, quoi. Oh, faudrait comme dans les... Le jeu de Bulle à Round, un truc qui montre quelle touche t'appuies, quoi. Alors là, je peux pas y aller. Super. Bon, je vais me garder ça par là. Et on va aller voir à gauche. Donc là, j'ai une pièce de monnaie du coup qui me reste. Donc là, je peux pas y aller. Donc on va essayer de passer par les nuages. Mais à mon avis, je peux pas. C'est même pas la peine de tenter. Il faut que je passe par tout en haut. On va aller en haut et on va sauter au niveau de la maison. Ouais, c'est ça. Hein. Je m'en rappelle plus du tout. Au moins qu'on finisse le premier niveau quand même. Voilà, c'est mal barré parce que. Mais j'ai pas sauté là! Nom de Dieu! Ah! Oh, merde! Voilà, allez, je suis pas encore une ligne. Je vais faire que de la merde là, je le sens. Pas, espèce d'abruti. Voilà, je suis tombé, génial. Normalement, putain, mais vas-y, mais saute sur le petit nuage, quoi, connard. Putain, il veut pas, quoi. Ah, c'est bon, je peux passer quand même. Allez, alors là, il y a un tournevis, et on peut rien faire là-bas. Ça devait être une vie qui est de l'autre côté. Là, je suis quasiment mort. Hein. Je pense que je vais avoir le droit de recommencer à zéro tout à l'heure. Ou de faire un autre jeu. Parce que vu comment ça a l'air mal barré. Allez, putain, bah oui, forcément, je me fais toucher. En même temps, vu que je saute, limite quand l'ennemi est sur ma tronche. Allez, je tombe. Oh putain.
Oh. Ouais, encore, t'as de la chance, hein, Thomas. Hein. Il a pas mis les maps avec un captcha à la con. Hein. Parce que alors, les maps seraient avec un captcha et les notices aussi. Là, c'est même pas la peine quand tu te prends, quoi. Bon, alors, du coup, j'ai dû louper quelque chose. Le tournevis, il me sert à rien. Pour l'instant, je crois. Là, je peux pas monter par là. Je regarde vite fait ce qu'il y a dessus. Est-ce que je peux... Non, je pense pas que je puisse atteindre ça. Non. Alors, on continue par là. Voilà, droite, on s'en bat un peu les couilles. Comment est-ce que je pourrais passer ici? Moi, le tournevis, non, ça sert à rien. Hein. Le tournevis, ça sert à dévisser des trucs. Qu'est-ce qu'il y aura à dévisser par là? J'ai pas vu de truc à bricoler. Putain, je suis bloqué dès le début du jeu, quoi. Donc, il faut des noisettes. Ou alors, c'est elle. Je vais mettre mon pays drone. Hop. Ouais, bah oui, t'es gentil, mais. Bon. Bon, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. J'ai dû louper quelque chose. Mais quoi? Bah, c'est pareil, mais non, pourquoi je peux pas rentrer dedans? Ah, bah si, il faut appuyer en bas. Putain, j'hallucine. Bon, bah ça, ça sert pour ça sans doute. Hein. On peut appuyer en bas. Alors, ça, j'avais complètement zappé. Donc, du coup, j'ai plus qu'à me retaper tous les bâtiments. Quel con. Alors, en plus, je suis quasiment mort, du coup. Alors, je peux rentrer par la fenêtre. Si, je peux rentrer par la fenêtre. Il y a un truc au bout. Wipe, c'est quoi, c'est un fouet ça? Bah dis donc, elle est chaude la bézille. Elle a des fouets chez elle. Oh, je vais laisser ça là, je vais laisser ça là aussi. Faudra juste que je me souvienne que j'ai laissé des trucs ici. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est chiant ça. Le saut est pas terrible quand même dans Dinty. Allez, vas-y, je me fais toucher à chaque coup. Ah bah je suis mort. Ah bah c'est bien, on recommence. Hop. Tant mieux. J'ai envie de dire. Parce que franchement, c'était mal barré. Voilà. On va chercher le poids qui est le bon. Y a qu'une map de magazine de fête. De quoi tu parles? Une map de magazine de fête. De quoi tu parles? Pourquoi tu dis ça? Pour ce jeu-là, pour Crystal Kingdom. Parce que franchement, merde. Honnêtement, il n'est pas dur. Hein. Bon voilà, l'autre, hein, pas contente. On s'en fout. Ah oui, bon, faut la faire. Elle est pas dure à faire. Hein. Il n'y a pas 50 000 écrans, hein, honnêtement. Allez, on va aller voir là-dedans, du coup. Il y a le vieux. Grand Didi. Voilà, bon, en gros, il veut pas qu'on le fasse chier, bah, qu'il aille se faire mettre, du con. Donc, du coup, il me faut l'autre poids. Et l'autre poids, il était par là, je crois. Voilà, là, hop. C'est con, j'aurais pu la faire pendant que je jouais.
Je me fais toucher, putain. Hitbox de merde, là. Pénible. Tiens, faut que je regarde ton stream de l'autre jour, Thomas, parce que du coup, je sais pas ce que t'as fait dans ton Abstract chien pour chien. Denzil. Faut pas confondre avec Danzig. Ah, I'm trying to fix grand Denzil glasses, ok. But I have lost some of my tools. I have seen any of them. Bah ouais, mon gars, j'ai un tournevis, je vais te le chercher d'ailleurs. Il était où le tournevis? Il était par là, hein. Je crois. Enfin, même s'il est pas par là, je. Allez! Ah, merde! Hop, un cœur. Ah oui! Alors, tiens, tournevis, hop. On va lui redonner à l'autre con, non? Dans le puits, bah, je crois qu'il faut aller chercher un seau, hein, le truc classique. Ouais, mais. Pourquoi tu fais ça avec OCP au final? Bon, après, tu fais comme tu veux, moi je m'en fous. Hein. Je fais pas le service après-vente comme on dit. Alors, on y va. Voilà, Grit. You found my screwdriver, thanks. I won't be heading this panel anymore. D'accord. Il m'a donné ça. Ah, donc je vais pouvoir aller à la machine qui était tout à droite à tous les coups. Ça fait des révisions, bah ouais. Ah, ce serait même t'avance. Ce serait pas mal que t'avances. Bah, ça dépend ce que tu fais avec OCP, hein. Si c'est juste découper les tailles là, entre guillemets, moi je le fais en basique en général. Ah, voilà. Yes. D'accord, le générateur est remis en route. Qu'est-ce que ça va avoir fait? Ça, c'est le mystère. Tiens, on en profite pour attraper ça parce que du coup on reviendra pas ici. L'autre, on a toujours pas une noisette pour lui. Mais sinon, non, moi je me fais un petit programme basique, parce que surtout que en général, j'encode jamais les tailles ou tout ce que tu veux dans ce genre-là, j'encode jamais ça. Ah bah attends, le lasso, je vais peut-être pouvoir m'en servir pour faire un pont. Enfin, c'est pas un lasso, c'est un fouet. Bah souvent j'optimise moi mes tiles pour soit faire des routines. Attends, est-ce que ça aurait changé quelque chose au vieux là? Ouais, je sais pas comment t'expliquer ça. Non, lui il veut pas. Mais ouais, parce que moi mes sprites, si tu veux, toi t'encodes de la. Alors attends, faut que je fasse dans ton sens. T'encodes de la gauche vers la droite, hop, tu reviens à une en dessous, gauche droite, hop, gauche droite. Moi je fais pas ça. En général, déjà rien que pour optimiser, j'encode de la gauche vers la, ah, de la gauche vers le, merde, gauche vers la droite, voilà. Et moi ensuite, je prends direct ce qu'il y a là et après dans mon affichage, je raffiche vers la gauche, tu vois. Ou pas. Ou des fois, ce que je fais, c'est un SBC par exemple, plutôt qu'avoir un pop. Ça dépend des registres que j'ai. Oh, c'est pour ce que je veux faire en fait, ça dépend complètement de mes routines. Bon, alors du coup, on a mis. Lui, il a plus rien à vous dire, je pense. Have you fixed those glasses yet? No, this seems to take time. D'accord. Donc après, on pourra redonner les lunettes à la gonzesse. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir par là.
Hop. Hop. Alors là, il y a un cœur. Putain, je peux pas l'attraper comme ça. Mais de toute façon, tu ferais mieux d'en connaître en basique, hein. Tu te ferais moins chier, hein. Tu te fais une routine, hein. Surtout que tes tailles, elles font toutes la même taille. Donc, on s'emmerdait, hein. Programme basique à 2 balles. Bon, bah, le cœur, tant pis, il reste là. Alors, est-ce que je peux utiliser mon fouet? Yes, ça marche. Yes, trop fort. Ah, les Didi sont chouettes, mais ils sont moches. C'est dommage que ce soit tous des Speaky Pop. Il faudrait les refaire. Hein. Franchement, sur CPC, alors sur CPC+, il y aura carrément moyen de faire des putains de jeux. Hein. Bon, en fait, d'être très très proche des versions Amiga, quoi. Ce qu'il faudrait, c'est par exemple adapter la version Master System. En plus, c'est du Z80. Hein. Bon, autant le refaire carrément, mais je veux dire, sinon, il y aurait eu presque moyen de récupérer le... Bon, qu'est-ce qu'il a, lui? Peace Brother. It's a grand Didi's paper, I'm studying my star. Voilà, fini, je vais les miens, voilà, il va me redonner le papier, et je vais le donner au vieux, du coup. Moi, j'adore les Didi, je trouve ça trop cool comme jeu. Alors, le vieux, il est là. On se dépêche avant que l'autre arrive. Ok, bah, je sais pas, donne-moi quelque chose. C'est vraiment un connard, il me donne rien. Je vais sortir, je vais rentrer. Non, tu veux pas. Je lui ai donné son placard de merde. Et il va rien faire. Alors on va retourner voir l'autre avec ses lunettes à la con. Hein. Il a peut-être récupéré. J'ai peut-être pouvoir aller donner à la gonzesse. Parce que pour l'instant, je peux pas faire grand-chose, faut dire. Voilà, les voilà. Hop. On va leur donner les lunettes à la gonzesse. Du coup... Bah c'est bien la gonzesse hein, qu'il faut lui donner. Mais... je comprends pas là. Qu'est-ce qu'elle est conne là. Putain. Qu'est-ce qu'il a son lit. J'ai pas compris ce qu'elle veut. Oh. Qu'est-ce que c'est chiant, s'il faut aller traduire en français ce putain de jeu. Bon. Je crois que c'était à elle qu'il fallait redonner les lunettes, mais bon. L'autre il veut toujours ses noisettes là ou je sais pas quoi. Donc j'ai une paire de lunettes, c'est tout ce que j'ai. Pour les loin avec ça. Hein. Il y a moyen d'avoir une pièce là-bas, mais à quoi ça me servirait? Bah pas grand chose. Je sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Je suis un petit peu bloqué. On va refaire un tour. On va retourner voir le vieux con tant qu'on y est. Maintenant que j'ai les lunettes, peut-être qu'il va réagir. Ah non, c'est à lui les lunettes. D'accord. Mais il veut toujours pas qu'on le dérange, cette espèce de vieux schnock là. Putain de connard. Hein. Non, il va rien me donner. Ok, il s'est fait remettre. Je vais lui donner son papier, ses lunettes. Et l'autre, il veut toujours rien. Ouais, une drôle de tête, ouais, effectivement. Donc lui, il n'a plus rien à me donner. Ça, c'est réglé. On va remonter, on va aller voir par là. Hein. On va voir par là. Bon, là, le cœur, on s'en fout. Oh putain! Allez, le saut, c'est, il est vraiment limité. Hein. Bon, là, lui, il a plus rien à me donner, je suppose.
Ouais, rien. Alors, on va te faire mettre aussi. Je sais pas quoi il a servi le générateur que j'ai allumé tout à l'heure. Oh, j'aurais pu sauter sur le nuage. On va essayer de sauter sur le nuage là. Musique, elle est un petit peu sous lente à la longue. Non, bon bah loupé hein. Pourtant si je dois pouvoir sauter sur ce putain de nuage. Faut que j'y arrive. Il est vraiment tout à gauche. Donc on va voir si vaut pas mieux se laisser tomber. Allez, vas-y, saute pas. Hein. C'est pas grave, hein. C'est pas comme si j'avais appuyé pour le commun. Hein. Putain. Il y a un Fire 2 sur ces PC qu'on ne peut pas l'utiliser et faire un truc pratique quoi. Bon, donc il faudrait que je saute là. Non, bah il veut pas, il est con. Bah là, il saute pas. À chaque fois, il saute pas ici. Il veut pas sauter. Et à chaque fois, je perds de l'énergie. Connard. Bon, le putain de nuage, il est là. Je veux sauter. C'est incroyable, hein. Il commence à me gonfler, là. Ça commence à m'énerver, sérieux. Saute. Voyons. Bon, il n'y a pas moyen. Hein. Je leur fais une dernière tentative en me mettant vraiment au bord du truc. Puis si j'y arrive pas, bah, j'y vais pas. Par contre, je sais pas quoi faire. Je suis bloqué là. Bon, on peut plus du tout. Ça commence à me gonfler. Allez, hop, je vais me mettre juste au bord. Ça marche pas. Ok, alors c'est mort. Qu'est-ce qu'il y a comme objet du coup? On va retourner voir le vieux con par hasard. Si entre deux il aurait réagi quelque chose et qu'il serait devenu moins idiot. Non, il veut toujours pas. C'est un vieux con. Je suis bloqué. Je sais pas quoi faire. Bon, l'autre, on s'en branle, elle est toujours si conne. Hein. Je sais pas. Non, mais. Franchement, quoi. Genre, je me suis fait toucher par le truc de merde, là. Bon, le puits, y a rien à faire là-dedans. Non. Pour l'instant, j'ai rien. Là, je peux pas passer. La pièce là, je sais pas quoi elle sert. Qu'est-ce que je pourrais faire? Où est-ce que je chie dans la colle? Qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai forcément oublié quelque chose, un peu de faire quelque chose. Mais quoi? Bah, je vois pas trop à qui, hein. Après, je peux aller la chercher dans tous les cas, mais. Moi, j'ai pas besoin de passer par là, non, c'est pas grave. Pièce en or, hein. Qui veux-tu que je donne ça? On va essayer. Saut de merde. Non, non, pas elle. Déjà. On va voir le vieux. Il a une pièce d'or. Hein. C'est peut-être un vieux radin. Non, il n'est toujours pas. Sinon, peut-être la balancer dans le puits, je sais pas.
Là, l'autre, normalement, il veut plus rien, donc on s'en fout. Voilà, il s'en fout. Donc lui, il s'en fout et l'autre, il s'en fout aussi. Donc en fait, tout le monde va s'en foutre de ma pièce de merde. Non, putain. On va l'acheter dans le puits, tiens, pour voir si ça fait pas sortir quelqu'un de là-dedans. Ah, bah si, voilà. Alors, seulement les diamants et les billets de banque acceptés. Ah bah du coup, j'ai plus ma pièce. J'ai plus ma pièce. Si ça se trouve, fallait surtout pas le faire. Ou si ça se trouve, il fallait le faire, ça nous permet de faire avancer le jeu. Mais je sais pas trop quoi faire du coup. À droite, il y a pas de maison. Je sais plus si je suis déjà allé. Ah, vas-y, il y a une maison. Hein. Ah, bah voilà, il y a quelqu'un que j'ai pas vu. Ok. Alors, il me donne un gâteau. On avance. Le générateur, c'était lui que ça avait fait. Alors, un gâteau, on va donner ça à la gonzesse. Ça me paraît bien. Ou à lui. Voilà. Fairy cake. Ah, il me donne son parapluie. Avec le parapluie, je vais pouvoir passer la cascade à tous les coups. Ça y est, on avance enfin. On avance enfin. Ça m'aurait étonné de rester bloqué dans ce Dizzy là parce que honnêtement c'est l'un des plus faciles. Je les ai tous finis. Et franchement celui-là il est super simple. Ta gueule toi. Ouais, mais tous les Didi sont bien en fait, sauf le premier qui est. Ah, tiens. Et bon, bah voilà, le premier c'est dû. À son âge, on va dire. Alors, ça, qu'est-ce que c'est? Un diamant. Alors, le diamant, je vais pouvoir le balancer dans le puits pour le coup. Hop. Mais si t'as pas fait les cimes, moi je préfère les cimes. J'ai fait le premier niveau de. Oh putain, je me fais toucher. De Wayway Seymour en stream il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Ah merde, ça coince. Je vais laisser le parapluie ici. Et je vais aller balancer le diamant dans le puits. Voilà. Donc le game génie. I can't grant you one wish. Ah d'accord. Ok bah donc maintenant le vieux va me parler. On avance, on avance. Alors c'est bizarre qu'il préfère que ce soit le vieux qui lui parle plutôt que la gonzesse qui lui fait la gueule. Tu me diras une gonzesse qui fait la gueule, c'est pas le truc exceptionnel, il n'y a pas besoin d'un. Enfin, un génie, ça changera rien, elle refera la gueule au bout d'un moment. Ah bah voilà. You must find the treasure. I'm going to them to the sacred shrine. Alors shrine, je sais pas ce que ça veut dire. Ah bah voilà, bon bah j'ai fini le premier niveau. Donc on a le password. Le password c'est book. Ben voilà. Voilà, voilà. Bon, on fera la suite dans un autre stream, je pense, non? On va regarder vite fait. Alors, il me dit juste bonjour. De la glue. Bah tombe, c'est pas tombe, tout court. Worse. Je sais pas.
On peut pas rentrer. Tiens, il y a un truc là-dessus. D'accord. Bon, bah, ok. De la bouffe pour poisson. Bon, bah, la bouffe pour poisson. Voilà. Merde. Oh merde. Bon bah voilà, hein, comme quoi, même sans cercueil, je crois que c'est casquette. Il me semble. Merde, oh, je me casse la tronche. Bon bah bref, hein. Ça permettra de faire un autre stream de C4. Sticky tape. Je sais pas ce que ça veut dire non plus. Bon voilà, enfin bref, on peut aller dans le bateau. Plein de trucs à faire quoi. Plein de trucs à faire. Bah écoute, tu sais quoi, moi je vais faire la map. Je vais me faire la map. Alors déjà du premier niveau vu qu'on l'a fini. Et puis celui-là après quoi. D'accord. Sticky, ça colle. Bon écoute. Ah ouais, une bande autocollante. Et tu vois là c'est pareil, steering wheel, et ben ça c'est pour piloter le bateau, donc ça va peut-être plaire à l'autre. Qui arrive pas à naviguer, on va lui la donner, tiens. Oh merde. C'est marrant les souris. Ouais bah et alors j'étais Oula, on va mettre là peut-être. Voilà. J'ai pas trop compris ce qu'il m'a dit, mais. Et il peut pas me le redire, hein. Ah, it fall on the floor. Donc il faut quelque chose pour la fixer. Tout simplement. Sa sticker, soit c'est pas cool. Merde. Oh putain, je me suis touché. Du blue tack. Ouais, le blue tack, ça a bien fixé la barre de navigation, non? Ouais, je vais le tenter quand même. Merde. Ça a marché hein. Voilà. Du blue tack, ça a fait tenir le truc. Bon, j'ai dit que j'arrêtais là, heureusement. Est-ce qu'il y a quelque chose par là que j'aurais pourvu? Ben, est-ce que je suis monté ici? Ouais, mais rien. Oh putain, je tombe sur la bestiole. Ça c'est quoi? Une scie.
Est-ce que je peux aller encore à droite ou pas? Non. Hop. Merde. Donc j'ai une bande autocollante ici. Ah merde, c'est un mur ça. D'accord. Oh putain. Comment j'ai perdu 2 vies en 3 secondes quoi. Là, je peux ouvrir un coffre avec l'acide. Non, ça marche pas. Bon. On va voir par là. Des ciseaux. Aujourd'hui, mais je sais pas comment est-ce qu'on peut aller à gauche. Par contre, je peux passer le mur là. Ah non, je peux passer tout simplement. Je peux passer tout simplement. Je vais poser un truc là. Ça, c'est quoi ça? Bah, c'est bien, mais qu'est-ce que tu veux que je foute avec une planche? Comme bricoler en tout cas. Hein. Et un patch. Voilà, à mon avis, tout ce merdier, ça doit servir. Ça doit servir sur une des voiles, donc quand même un genre. Allez, terminé. Bon bah voilà, un petit jeu où il y a une map à faire. Faut que je termine aussi ma map pour 002. Oh la vache putain! Qu'un petit jeu qui avait été diffusé dans... Oh bah voilà, ma fille se réveille en plus, donc je vais encore pouvoir rien faire mon après-midi quoi. Un jeu qui avait été diffusé dans le magazine CPC Info, si je me trompe pas. Fallait taper listing quoi et ouais map de crypt elle est faite en fait la map de striker le truc c'est qu'il faut la retoucher c'est pour effacer le personnage sur chaque écran etc et ça c'est chiant oh là là c'est chiant ça prend un temps pas possible hein. Vraiment quoi bon allez je coupe ciao les jeunes et puis bah je suppose c'est quand le prochain stream hein. Alors là je sais pas du tout, j'ai pas les horaires de la semaine prochaine. Donc je sais pas quand est-ce que je fais un stream. On verra ça plus tard. Allez, bah merci, mon écoute Ricky, c'est normal. Merci de m'avoir regardé, sur Twister là, en général, il n'y a personne. Heureusement que Thomas avait noté qu'il y avait un stream aujourd'hui, parce que je lui ai dit non, ben, je ne le savais pas. Allez, ciao.